Merci à vous. OMG, le train de l'hype niveau combien là? Ah ouais, putain, j'ai vraiment un challenger avec moi. Merci Aku pour le subprime. Oh, il y a trop de subprime là. Le Sunday Spicy. Il est bon le Sunday Spicy, je me suis pas risqué. J'ai pris le CBO Spicy et les Nuggets Spicy. Et je l'ai regretté ce matin. Genre vraiment, je l'ai regretté. La playlist. À Linkin Park, c'est pas mal. Hein. Bon, le match-up bot est pas simple du tout. Ils ont le counter match-up en support. Bon, c'est pas non plus unplayable, mais. C'est bon, les trucs spicy. Bah, en fait, c'est juste piquant, quoi. Ah, je comprends pas. C'est juste piquant, quoi. Ok, je suis contre humanoïde. Je compte humanoïde, mais j'ai Nartfall sur ma top lane qui est en challenger avec 75% de win rate. C'est le but à skip. Non mais oui, je sais que c'est le but que ce soit piquant, mais genre, enfin, c'est être piquant pour que ce soit piquant. Je sais pas, faut que c'est du goût quoi. Genre là, c'est juste piquant quoi. Non, franchement, je ne recommande pas trop. C'est proc de first strike. On bosse le sup. C'est du pur out trading qui est proposé sur la bot lane. Faut faire gaffe que comme elle tire vers le bot là. J'ai mis une auto. Comme elle clear vers le bot et que c'est Zira et qu'elle one shot la jungle, faut faire très attention. Parce qu'elle est bientôt sur le bot. Let's go, humanoïde qui se fait solo bolo. Hein. Le support est très bon. Le bot gap qui paye directement. Oh, je peux pas laisser une wave comme ça. La vision dans le bush. Ah, c'est un peu le lucky ça. Bon, la wave est très très bien. La wave est très très bien. En vrai, même s'il a pris son cash out, c'est quand même voir si je pense. Okay.
J'aurais pas pu avoir les deux là. Le Alistar est pas super fort. Hein. En fait, c'est pas qu'il est super fort ou quoi, c'est on l'outplay de fou depuis le début. Hein. Ok. Trade even, mais je prends des gold. Le truc, c'est qu'il a sans doute beaucoup plus de lifesteal que moi là. Ma wave. Le touche. Huge. Ok, bon, c'était un bon skip de wave. Ça nous a donné un kill. Je pense que sans mon slow, il l'avait pas là. Oula. Ils ont tenté dive. Je vais devoir rester, hein. C'est Alistar qui a pris le kill. Hein. En soi, c'est pas une catastrophe non plus. Ok. Très bien, c'est très très bien. Hop là, petit cashback qui me permet d'avoir une épée longue en plus. Bon, malheureusement, il a plus cash out avant de me tuer. Bah, en vrai, c'est un cash out à 25 stacks. Enfin, 25 stacks, 25 CS. Donc, c'est pas non plus. C'est pas non plus invivable quoi. Ok, bon, ça bounce vers lui. Le Alistar est à rien de reprendre un kill là. Not a problem. Putain de merde. C'est pas de chance. Il était juste en dehors de mon ulti. Ok, faut qu'il arrive à crash. Ah, il va pas y arriver de toute façon. Ça serait en full tanking. Bon, comment ça se passe sur la map? Mon mid a des kills mais il est derrière au farm. Mon jungle est derrière au farm mais il a des kills. Mon top est derrière au farm. Moi je suis derrière au farm mais j'ai des kills. Et des procs de first strike. En vrai, j'ai 250 gold de first strike à 9 minutes, c'est assez colossal. Tuer.
Allez, on s'en va. On a zéro mana là. C'est pas une wave canon, je vais sans doute la perdre la wave. Ok, je vais en acheter. J'ai l'impression de passer ma game à base là. Après, je suis déjà mort 3 fois en vrai. Ah, reste pas à bon mid hein. Il joue contre humanoïde et il se fait pas humilier. C'est quand même une perf en soi. J'étais pas sûr. J'étais pas sûr de ce bush. La top lane par contre, mon top laner il se fait un peu bolos. Le challenger de mon équipe. Ok, my bad, j'aurais dû crash la wave. Camille, elle look pour TP bot, je pense. Soit je air la wave et je me fais cancel par Alistar et je suis mort. Soit j'attends que mon support vienne. Je vais attendre mon support, je pense. Et boum! Est-ce que c'est à moi de plate là? Je vais au moins en prendre une. Rush BT c'est sus? Non, sur Draven ça se fait hein. Ça se faisait à l'époque Rush BT sur Draven. C'est pas du tout nul hein. En fait ça fait de l'AD, du lifesteal, littéralement tout ce que tu veux sur Draven. Du coup Draven peut prendre perma des trades avec son W là. Bon mid il a plus de tourelle. 335 gold de farmé déjà hein. Ce que je lui ai fait. Non, ce que je lui ai fait, je lui ai mis de ses rebonds dans la gueule, lui. Allez, on est reparti pour un petit reset. Que je base moi hein, cette game. Oh mais j'ai mon collector. Et voilà. Déjà 350 gold de cashback hein. 350 gold de cashback, 367 gold de first strike et 10 d'adaptative force du Jack of all trades. I know what I'm doing. Hubris. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que sa plaque d'os, je peux le tuer après. Ok. Oh my bad.
My bad, putain, on va mourir là. Alors on a un petit problème, il one shot les sides lui. Ouais, je crois qu'il a même pas, il a même pas ulti hein. Oh non, je voudrais qu'avec 49 points de vie. J'avais pas besoin de flash, j'avais le locket. Oh non. Oh putain, lui me fait peur par contre. Je donne un petit sou au passage. Est-ce que ça serait pas l'heure de retourner à la base ? Bon, faut qu'on joue les sidelines et qu'on prenne des tours là. J'ai plus de flash, j'ai flash pour rien, ça fait chier. J'arrive à la team, mais faut que je prenne le mid avant. Bizarre, ils ont pris le topside jungle. Okay. J'ai plus le go parce qu'ils étaient hors de range de me cancel les deux là. Ok. Oh non, les creeps en HV là. Je vais marcher sur la plante. Allez, on reset encore, mais putain, mais. C'est fou ça. Je suis tout le temps à la base. Allez, on avance sur l'IE maintenant. Personne catch le top. Ils veulent faire un playbot. 600 gold de first strike. Oh, en 18 minutes, c'est colossal, hein, en vrai. J'ai cru que le Draven voulait me stat check. Je pense qu'il allait être très déçu. Oh non. J'ai mal timé mon Z. Ok, ça va. J'ai peur de m'avancer au mid, on voit personne sur la map là. Fait les bots avec le bac amélioré, c'est broken sur MF. En vrai, en soi, ça doit pas être trash quoi. No flash. J'ai combien de stats différentes? J'en ai 7. J'en ai avoir 8, 9, 10. Si, ah, mon full stuff.
Il aura plus d'eau. Hein. Là, je vais avoir le. Avec l'IE, j'aurai le dégât en pourcentage des crits, donc ça fait une stat en plus. Ensuite, avec la BT, j'aurai le lifesteal. Ah, mais merde, j'ai déjà du lifesteal avec la Doran Blade. Ah, putain. Je vais pas avoir les 10 en fait. Bon, maintenant, j'ai plus le droit de reset avant 1500 gold. Ouais, mais le truc c'est que si je vends la Doran Blade, si je vends la Doran Blade, je perds les points de vie en plus. Ça fait beaucoup de pertes quand même, hein, de vendre la Doran Blade. Oh oh. Chiant. Comment on fight ça? C'est fightable en vrai, je pense, hein. Bon, faut faire gaffe à la Zira là, c'est son. C'est le moment où elle est forte là. Dans ces spots là autour du Nashor, elle est trop forte Zira. Mal placé pour mettre leur bombe. Hein. Ok, j'ai mon IE. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais du lifesteal? Je peux faire du lifesteal, je peux faire la BT maintenant, je pense. J'ai pas trop de problèmes de range en soi. Jack of all trades, je suis toujours à 7 stats. Ah, je vais pas les avoir les 10 stats. C'est vrai que j'ai plus de kills que toute la team en face réunie. Ah bah là je fais trop mal là. Le truc c'est qu'eux ils veulent gagner par le speed push du Tryndamere. On devrait pas jouer la T2 mid. You've got dangerous eyes. I like that. Je sais pas s'il est au courant, mais je peux le OS là. Je lui mets un petit coup de pression. Full life lui en plus. Oui oui oui.
Allez, il me faut la BT là, je fais pas assez de dégâts. On peut peut-être jouer le mid, non? Alors je décale bot, j'essaie de le tuer. Non mais là le fait qu'il y ait personne qui se montre au mid, c'est trop grillé la décale. Bon, je vais rester sur la map moi. Oh, attends mais... Dommage. C'est loin hein. Ah du coup j'ai donné ma wave mid à la Camille. Qu'est-ce qu'on fait là? Quand je me prends le snow du Riley là. Non. Je suis l'homme à abattre. Non mais Trinda, putain, il fait chier tout le monde ce mec. Bon allez RFC, ou alors je fais ça, ce Yuntal Wild Arrow. Combien ça coûte? 3200. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un RFC? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un Yuntal Wild Arrow? J'ai envie de push mais vas-y. Je vais mourir, je vais donner cette sangle, ça va être de la merde. Putain, j'ai pris que 36 gold. Héros, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas ce gars, allons. Oh mais il push encore! La team faut def par contre. Elle veut pas rester en side la Camille en vrai? Alors courir dessus c'est l'enfer. Wow. Un bout de malade. Heureusement que j'ai du lifesteal hein. Je crois que je vais faire un RFC, je crois que le Yuntal va bien aller se faire foutre. Je manque trop de range contre...
Je manque trop de range contre les... Le Corki et la Zira là. Après 65 d'AD quand même hein. Quand même. Non mais regardez les dégâts de mon R, c'est ridicule. J'ai de quoi tuer deux Shogat. Je devrais pas prendre le farm. Nojo, je pense que sur un rebond, je one shot là. Genre un rebond qui crit, je pense qu'il one shot. Parce qu'en plus, ça proc le dot, du coup, même si le mec je le one shot pas. Ah non, c'était de l'autre côté. Dommage. Mais matchez juste, on envoie juste Camille et c'est bon, on a gagné. Genre, il peut rien faire. Attention à toi par contre. Camille, juste tue le Tryndamere et nous on finit la game. GG 21-4. Super game. Oh la pub qui proc pile à la fin de la game. Magnifique. Magnifique. Bon c'était en vrai, c'était une game de Halo de fou là. Bien joué à qui ? En vrai mon support il était pixel hein. En vrai c'était un RFC. C'était un RFC, c'était pas le Yuntile Wild Arrow, c'était un RFC.